All Time. Des cerveaux, les brains, les IQ, les basketball IQ. Les joueurs qui... Bon. Je sais à l'avance ce qui va se passer dans ton action. Hein, tu vas nous mettre des petits critères. On va devoir tout expliquer parce que ce top 10 all time... Attention. Ça va, c'est pas le plus compliqué à définir en termes de critères, on va dire. Il y en a eu des plus relous, où c'était moins clair. Il est quand même bien violent quand même. Oui, il est... Ah non, mais il est violent. Au niveau des critères aussi, genre pour bien tout structurer, parce que sinon dans les commentaires on sait ça va blaster. Voilà. Hein, donc bien évidemment, on s'installe tranquillou. C'est le lundi, et donc on commence tout le temps la semaine avec un top 10 all time. Voilà. Le lundi, c'est le meilleur jour de la semaine maintenant en fait. Du coup les gens le dimanche se disent, ah j'ai trop hâte d'être demain. Ouais, c'est clair. Trash talk. Dimanche soir les gens ils se couchent en se disant, yes. Sous la couette. Ah, c'est trop bien. J'ai hâte d'être demain. Donc, du coup, on va se faire les cerveaux. Alors, attention à ne pas tout confondre, parce qu'on sait que sinon, dans tous les sens, ça va être Jérémy Lin, il a fait Harvard. Non, c'est pas les joueurs les meilleurs diplômés. Nous ne sommes pas sur les meilleurs diplômés. Nous ne sommes pas sur les joueurs les plus intelligents. On parle de basketball IQ. On parle de basketball IQ. Là, on est vraiment sur du joueur intelligent sur le parquet. La globalité de leur maîtrise du jeu, de l'approche du jeu, de la connaissance des règles, la compréhension des petits détails. Le vice ne fait pas de mal quand il est bien utilisé, quand il est bien expérimenté. Voilà. Après. Connaissance des systèmes de l'adversaire, exécution sur demi-terrain, exécution tout-terrain, capacité à s'adapter. À s'adapter en temps réel, enfin voilà. Longévité, c'est-à-dire que t'es intelligent. Ouais. Bref, ces espèces de monstres qui ont été capables, soit en étant athlétiques, soit pas du tout, de montrer juste leur domination grâce à ceci. Oui, c'est clair. Voilà. C'est bon, ok? C'est bon. Ok, donc bien évidemment, on va préchauffer. Petite nouveauté. D'habitude, vous le savez, on fait d'abord les mentions honorables. Ah, regarde. Spoiler, bâtard. Du coup, petite nouveauté pour celui-là. N'hésitez pas d'ailleurs à vous donner vos avis là-dessus parce qu'on voulait se faire un test. Habituellement, vous le savez, on fait les mentions honorables et après, on termine avec le top 10. On s'est dit pour une fois, certains l'avaient demandé, on va inverser et vous nous dites ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez qu'il y ait plutôt le top 10 d'abord et ensuite les mentions honorables ou les mentions honorables puis le top 10? Pour une fois, on va changer, on va faire d'abord le top 10. On va essayer. N'est-ce pas? Voir ce que ça donne. Exactement. Allez. Donc du coup, on va prendre tout de suite la tablette. On va mettre le numéro 10. Bim, d'entrée comme ça. D'entrée, on perd pas de temps. Parce qu'après, pour le mention honorable, on a plein de temps. N'est-ce pas? Allez. Allez, let's go. Numéro 10 du classement all-time. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Toi, t'es prêt, toi? Bah, je mets mon 10, quoi. Moi, j'ai l'impression que je vais blasphème, là. Ah, putain. Je suis pas prêt. si, c'est bon. Si, bah tu sais quoi, finalement, je vais le mettre. Ah ouais, tu changes. Ouais, finalement. Tu changes dernière minute. Ouais, dernière minute. Jamais bon, ça. 10e. Bam. Kareem Abdul-Jabbar. J'ai réussi à te mettre l'athlète préféré des Français. Pau Gasol. N'empêche. T'aurais même pu mettre Pau et Marc Gasol. Je voulais mettre les Gasol Brothers. Ouais, hein, parce que... Mais bon, il n'y a qu'un seul spot, je veux respecter les... Non, mais carrément, mais... Pau... Vas-y, commence par le tien. Kareem, c'est un bon joueur de basket, hein. Carrément. Et évidemment, meilleur scoreur, le plus prolifique de l'histoire, tout ça, machin. Mais on oublie... En fait, voilà, je voulais le mettre là en 10 parce que je voulais quand même signaler... Karim, on le cite quand on est dans la conversation des pivots, on fait plus que le citer. Le jour où on va faire un top 10 all-time, il est possible qu'on le cite très fort également, genre très fort, très haut, hein, vers le... Bon, je vais pas le dire, hein, on se réserve ça, voilà. Mais voilà, mais... Il faut pas oublier que Kareem Abdul-Jabbar, c'est un joueur qui, mine de rien, savait tout faire sur un terrain déjà. Et quand tu fais 2m16, 2m18, eh ben, c'est pas forcément donné à tout le monde. Non, c'est clair. En termes de placement, c'est très très sérieux. Le mec a quand même développé un shoot. C'est quand même de l'intelligence de développer un shoot que personne peut défendre. Et que personne n'a reproduit. Et que personne n'arrive à refaire aussi bien. Donc c'est que oui, il y a du travail, oui, il y a de la technique, mais il y a aussi un cerveau... qui fonctionne, qui lui permettait d'avoir un tir, bah voilà quoi, juste complètement indéfendable. Tu peux t'adapter à tous les types de jeux, il a été capable de courir et de jouer demi-terrain. Bah, quel âge il a? Il joue jusqu'à 40 ans. Ouais, et il est MVP à 35 ans. Quand il est MVP 35 des finales, ans, je crois qu'il est MVP des finales. 35-36. Hein. Ouais. Donc ça, voilà, c'est très sérieux. Donc, même plus. Hein. On ne parle jamais de son jeu de passe, mais c'était très bon. Non, juste c'était très bon. Carrément. Placement au rebond, très très bon. Au contre, voilà. Donc, t'es meilleur scoreur de l'histoire, t'es un excellent contreur, t'es un bon passeur, t'as duré jusqu'à 40 piges, t'as été MVP des finales à 35-36 piges, faut regarder l'âge exact, mais c'est un truc comme ça. À un moment donné, ça veut dire que tu fais partie des meilleurs cerveaux qu'on jamais foulé un parquet. Et pour être régulier aussi longtemps, il faut en avoir dans la caboche, parce qu'il n'y a rien de plus simple que d'être un petit peu comme ça, tu te fais une saison off et puis tu repars après la suivante. Il n'y en a pas une seule de Karim qui l'a loupé vraiment. Non, il se dit let's go, je vais au boulot tous les soirs. Clairement. Professionnel. Régularité, intelligence de jeu, technique, il y a tout quoi. Donc Kareem Abdul-Jabbar, il y a du monde au-dessus, mais pour moi c'est numéro 10. Petite sauce française, j'ai mis Villeneuve d'Ascq. Ouais. Je te mets Pau Gasol pour... Alors il y a des gens qui veulent pas le mettre dans les 10. Ok, c'est bon, me crachez pas la gueule, tranquille. Vous allez voir de toute façon que dans les mentions honorables, ça part dans tous les sens. Parce qu'avec ce top 10 all-time, c'est hardcore. Des joueurs intelligents, il y en a un paquet qu'on fout les parquets. C'est ça en plus, on l'a même pas dit au début, mais genre, moi j'étais obligé de mettre là Pau Gasol entre guillemets parce que je trouvais qu'en fait, en termes d'adaptation dans tous les types de jeux, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, on se pose la question, genre, c'est qui le meilleur joueur FIBA, limite de l'histoire, tu sais. Enfin, il est dans la discussion. Ah bah, plus tu vois, plus qu'en la discussion. Il y a ce côté, en fait, de je peux m'adapter aux règles FIBA où il a dominé, au jeu NBA où il s'est adapté aussi. Il a dominé. Il a dominé. Il a pu jouer rapide avec les Lakers comme il faut, il peut jouer demi-terrain. C'est un QI basket en termes de compréhension de toutes les attaques. Même aux Bulls, dans un truc un peu foireux, il arrivait à faire ses stats. Les Spurs, les Bulls, les Grizzlies, les Lakers... Où qu'il soit, en fait, il s'adapte très bien. Et il y a ce côté, surtout, que je trouve très intelligent, et c'est vraiment ça, c'est de l'ordre du cerveau, c'est, ok, s'il faut que je sois celui qui, ce soir, va beaucoup scorer, si je dois beaucoup scorer, let's go, filez-moi la balle, je vais pouvoir. Mais si un de mes coéquipiers est vraiment bien, il n'y a pas ce côté, tu vois, égocentrique un petit peu qu'il peut y avoir chez certaines autres grosses stars. Ouais. C'est que Pau Gasol, c'est vraiment le coéquipier un petit peu. Intelligence collective. Il y a un peu un coéquipier ultime chez Pau Gasol qui est très très fort. Karim, c'est pas mal non plus, même s'il a un ego de bâtard. Bien sûr. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal du tout, ouais. Dans ce genre de critères. Et puis Gregg Popovich, qui l'a dit aussi en termes d'intelligence, Pau Gasol, il l'a récupéré là depuis 2 ans. Il fait stop quoi. Enfin, tu vois, bon, quoi. Le mec, il arrive à 40 ans quasiment. Enfin, Pau Gasol, on arrive à 36 piges et il dit bon bah maintenant je vais protéger l'arceau et shooter à 3 points. Alors qu'avant, c'était je galopais. Et puis au poste bas, il fait des bonnes passes. Enfin bref, non, non, Pau Gasol. Trop intelligent. D'ailleurs, on note hein, dans un coin de la tête, Pau Gasol aurait dû faire médecine. Il avait fait des études supérieures, les parents sont médecins. Bon, c'est un petit détail, mais comme ça fait toujours plaisir. Hein. Le mec a réussi à faire médecine, finalement, il a fait de la NBA. Dédicace à tous ceux qui révisent médecine, hein, qui n'y arrivent pas. Place numéro 9. Là, j'ai un autre intérieur. Pas moi. Ah non. Qui vous avez en place numéro 9? C'est vrai qu'on va bientôt prendre d'autres stylos, mais ça va. En appuyant un peu. Ah, il est chaud. Ouais, on appuie un petit peu. Il est chaud comme Manu Ginobili, tu me l'as mis, oui. Ah bah oui. Je t'ai mis Hakeem. Oui. J'ai réussi à le mettre. Manu Ginobili. Il y a des gens qui vont croire que c'est blasphème parce que j'ai pas mis. Mais non, heureusement, Alex me sauve le cul. Allez, parlons d'El Manu. Bah... Des deux côtés du terrain, la vista, la totale, la compréhension, instantanée d'une situation. Money time, clutch. La clutchitude n'est pas forcément un signe d'intelligence de jeu. La façon dont Manu Ginobili gère les moments clutch est un signe d'intelligence de jeu. Tu vois la nuance? Je vais être 6e homme pour gagner plus de titres sans forcément avoir le shine. Premièrement. Ça, ouais. C'est hardcore. Je vais rentrer en jeu. Tony est en feu, Duncan aussi, eh ben je vais distribuer le ballon. Oui. Je vais rentrer en jeu, mais on est en galère en attaque, eh ben je vais scorer 20 points. Je suis à 4/13, je prends le passage en force qui fait gagner le match. Ouais, voilà. Voilà. C'est du Manu complet, voilà. C'est clair. C'est clair. Donc forcément, on est obligé de le mettre en 9. Et puis pareil, on en va parler là avec Pau Gasol. La créativité, ça fait pas de mal. Pour moi, la créativité est quand même un facteur qui fait, dans ma tête, gonfler le niveau de basketball IQ d'un joueur. Oui, complètement. Voilà. Manu, t'es obligé. Et puis on en parlait avec Pau Gasol. Que tu sois en ajout un petit peu avec les Spurs, en ajout entre guillemets, hein, tu sais quand même le manque du mec lui. Mais derrière de dire, bah tu sais quoi, de septembre à mars, septembre à juin. Je vais être un peu 6e homme, etc. Et puis en juillet-août, je vais être leader d'un pays et de mon équipe. C'est comme ça, quoi. Genre, ça, c'est vraiment de l'intelligence. Après, il y a juste le côté un petit peu avec Ginobili qui fait que moi, par exemple, j'ai pas pu le mettre en 10. C'est qu'il a ce côté un peu fou qui fait que des fois, tu te dis, mais quelle dumb action qu'il est capable de faire, tu vois, des fois. Manu Ginobili, c'est le mec qui peut faire la faute sur Dirk Nowitzki, etc. Il a ce côté-là. C'est un peu fou. C'est pour ça que je le mets entre guillemets qu'en 9. Tout à fait, qu'en 9, tout à fait. Moi, il était 11e, tu vois, donc... Je t'ai mis The Dream, Hakeem Olajuwon. Le pilier quoi, le pilier en termes de sagesse, de poser dans la raquette, de tiens, alors du coup Robert Horry, je vais te la filer bien comme il faut dès qu'on va venir me doubler, je vais pouvoir couvrir toutes les galères défensives de tout le monde. La reconnaissance défensive d'Hakeem Olajuwon, c'est, enfin on est tout en haut all time. T'as réussi à le mettre dans les 10 toi ou pas? Non. Non, t'as pas réussi pour des raisons... Il me manque... En fait, il est un peu discret, quoi. Comment exprimer? Je sais pas, il me manque... Moi, je trouve que tu peux pas avoir une palette offensive pareille sans être un putain de baiser dans ton crâne. Ouais, il y a des choix de fin de carrière que j'ai trouvé bien poucraves. Ah oui. Il me manque... Ah mais c'est après, attends, ça c'est oui. En dehors du terrain, Jean. Oui, oui c'est en dehors du terrain, mais ça, en tout cas, ça influe sur mon jugement. Ok. Je sais pas comment dire. Je pense que, en tout cas, c'est pas ce que je mettrais en avant en premier chez Hakeem Olajuwon, même si c'est oui. C'est un joueur très intelligent, comme il y en aura plein d'autres qu'on va citer, ouais. qu'on n'a pas pu mettre, que j'ai pas pu mettre, que t'as pas pu mettre dans le top 10. Mais comment je peux exprimer ça? Moi, j'ai toujours trouvé ça très fort que Hakeem puisse accepter la plupart des challenges. Il dit, ok, je vais devenir défenseur d'année, je le suis. David Robinson me prend le titre de MVP, je vais attaquer ça bien comme ça, il faut. C'est compétiteur. C'est compétiteur, mais, bien, hein. La différence entre prendre la série à juste soi-même ou mettre l'équipe en avant pour essayer de juste dominer, c'est une différence. Non, mais il grattait mon top 10. Hein. Il grattait mon top 10, ça, il était dans les je lui ai préféré Kareem Abdul-Jabbar, je lui ai préféré Ginobili dans ces places-là. Quand même sur des joueurs qui sont très intelligents, quoi qu'il arrive. Il est là, il est là. C'est comme ça. Si vous avez mis, si vous avez mis Manu ou Hakeem, n'hésitez pas à le dire parce qu'on est quand même sur de la légende et du Hall of Famer. Parce que Manu, on arrive en cours. Il y a quasiment que du Hall of Famer. Oui, il y a que du Hall of Famer. Ah bah oui, de toute façon. Un ou deux mecs qui le sont pas encore. Je dis bien pas encore, mais voilà quoi. Pas encore. Voilà. T'as combien de joueurs actifs dans ton top 10? Il n'y est pas encore. T'as combien de joueurs actifs? Joueurs actifs, j'en ai quelques-uns. Manu, il est actif. 1, 2, 3, 4 joueurs actifs. T'as 4 joueurs actifs? Ouais, j'ai 4 joueurs actifs. Non, pardon. 3. Oh la vache. J'ai 3. Voilà. 3 joueurs actifs. Ouais, 3 joueurs actifs. Autant pour moi. Ok, très bien. On enchaîne en place numéro 8. Allez, place numéro 8 chez les plus gros cerveaux de l'histoire. Là, on va commencer à ricaner parce que là, ça va blasphème. Hein. Allez-y, on va bourrer Hello Kitty, comme on dit. No disrespect. Je pars sur le Canada. Steve Nash. Ah ouais, d'accord. Tu le mets beaucoup plus haut, j'imagine? Oui. Tu as mis Jordan? Je mets Jordan. Comme pour Hakeem, tu vois, c'est pas le truc qui va me... C'est pour ça, entre guillemets, que je le mets qu'en 8. Intelligent, tu peux pas, tu peux pas être le meilleur joueur de l'histoire sans... Pop-up. Tu peux pas être le meilleur joueur de l'histoire. Tu ne peux pas être le meilleur joueur de l'histoire sans être le joueur le plus intelligent. Voilà. C'est un autre top 10. Mais je suis pris en double team par, par la team LeBron. Si tu veux... Michael Jordan, joueur hyper intelligent, évidemment, qui comprenait extrêmement bien le jeu. Après, bon passeur, j'aurais... Quelque part, je trouve que Jordan, évidemment, c'était un scorer first, complètement incroyable. Sa clutchitude est un signe d'intelligence, mais pour moi, était plus dirigée par son instinct de tueur complètement incroyable. C'est de l'intelligence en même temps, l'instinct. Hein. Mais je veux dire, c'était moins réfléchi. Je sais pas comment dire, genre le The Shot en 98, je dis pas que c'est pas de l'intelligence, non, mais, c'est surtout genre... C'est du contrôle, c'est du compétiteur, c'est de l'instinct, c'est la petite faute un peu vicelarde, la petite poussette de la main gauche, tu vois, genre... Pour décider de taper les Pistons, enfin, il faut que tu te butes l'année d'avant et que tu fasses le travail d'anticipation. Il faut que tu te butes, travail d'anticipation, travail de préparation, mais disons que c'est... Limite, c'est incroyable à dire, mais le basketball IQ, je mets ça en 4 ou en 5 dans le top des qualités de Jordan. Tu vois, je mets plein d'autres trucs avant. C'est pour ça que j'ai pas pu le mettre là aussi haut parce que physique avant, parce qu'il y a physique, compétiteur, le cœur. Tu vois, genre ça trouve c'est même pas top 10 limite quoi. Non, mais le basketball IQ. C'est pour ça que je le mets dans mon top 10 parce que bah quand même. Non, on parle d'un joueur des deux côtés du terrain qui était ouf en termes de reconnaissance de toutes les match-up en fait, c'est ça qui est fort. Reconnaissance des match-up, mais surtout, je pense que c'était dominé pour 125 compétiteurs. J'ai des joueurs au-dessus qui étaient, à mon sens, plus intelligents sur un parquet. C'est pour ça que peut-être moins fort en compétiteur, peut-être moins d'instinct, mais plus intelligent pur. Très bien, je t'ai mis monsieur Steve Nash, que j'imagine en faisant ta tête, tu as mis beaucoup plus haut. Écoute, j'ai mis Nash là en 8e. Parce que c'est simplement, le côté des deux côtés du terrain qui m'a un tout petit peu dérangé par rapport aux autres que j'ai pu mettre devant. Non pas que tous les gars vont être top 10 all-time défenseurs, hein, les mecs que j'ai mis absolument devant, mais il y a un côté, offensivement, c'est incroyable. Non mais offensivement, Steve Nash, c'est incroyable, vraiment. Mais voilà, il y a juste ce côté-là de l'autre côté du terrain qui fait que je peux le mettre plus haut. Offensivement, est-ce que Steve Nash, offensivement, est-ce que quel meilleur est plus fort offensivement pur? Non, on arrive. On arrive. Quel meilleur? On arrive. On arrive, mais offensivement pur. Ouais, on arrive. On arrive. Non, offensivement, oui, si tu veux parler de. Donc, tu englobes tout, technique. Oui. Si, on a quand même 2-3. Passe. Il manque 2-3 qui a été athlétique. Non, 2-3 petits détails qui lui manquent pour être. Un seul. Pour être injouable, quoi. Le jump, quoi. Ouais, voilà, qui a été athlétique. Oui. En tout cas, je l'ai mis dans mon top 10. Il est 8ème. Non, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas mettre dans le top 10. Il y a des gens qui ont peut-être pas mettre Steve Nash. Je le mets parce que voilà, par contre on le sait, hein, histoire de carrière, Steve Nash, en termes de gestion d'un effectif, d'un groupe, money time, compréhension de... Steve Nash pouvait regarder 3 actions à l'avance en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il savait genre, là il y a un run, ok, on va calmer ça, là on va... je vais les laisser faire un stop. Ouais. Et après par contre on va... Il analyse tellement bien le terrain qu'il peut faire des choix en dernière seconde. Quand tu mets autant de coéquipiers en avant, Steve Nash a rendu tellement de gens meilleurs en fait que c'est le signe de... Je sais pas, demande à Marcin Gortat quoi. Non bien sûr, non mais à Maré même. À Maré est quand même fort intrinsèquement. Oui mais Marcin Gortat, il aurait la même carrière. Bien sûr que non, naturel, mais il est quand même fort intrinsèquement. Bien sûr, bien sûr, on l'a vu à, par exemple à New York avec Raymond Felton, à Maré il fonctionnait tu vois. Parce que bon... Tu vois, mais non mais... Non, non bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je l'ai mis 8ème, patientez un petit peu, Alex le mettra sur son podium. On va passer à la suite. Moi j'ai un autre meneur maintenant. J'ai mis 2 intérieurs, j'ai mis 2 meneurs. Un meneur bizarre, mais c'est un espèce de meneur. Ouais. Moi qui dis Nash, dans la catégorie des Babtou, j'ai mis Stockton. Ah, LeBron est en 7. Oui. Pourquoi? C'est pas bien. Bah, je fais la même tête que toi pour Nash. LeBron c'est le 7e. Ok, ok. Un peu comme pour Jordan, que je viens de faire à l'instant. C'est-à-dire que la basketball IQ, bah, par exemple, moi, Stockton, je l'ai dans mon top 10, ouais. Je l'ai un petit peu devant LeBron. Parce que j'estime que LeBron... On a souvent entendu la phrase genre LeBron n'est pas clutch. Je dirais que c'est pas qu'il n'est pas clutch. Moi, je le trouve hyper clutch à maintes reprises. Je dirais que en termes de certains choix en fin de match, il a, oui, je maintiens, il a manqué un peu de basketball IQ. Quand des fois, il lâche sa balle plutôt que de driver, je trouve que c'est entre guillemets un mauvais choix. Et donc comme Jordan des fois quand il prend le shoot alors qu'il y a un mec qui est démarqué ou pas, ça marche ça aussi? Non parce que Jordan il les met lui. Oui bah ça bah va. Oui, bah oui mais c'est quand même une différence. Merci pour l'argument. Donc l'instinct. Ah bah ouais bon attends, le mec qui va me... Attends, moi le mec qui va me dire que Jordan est moins clutch, Jordan est plus clutch que qui, il est plus clutch que la terre entière. Donc bon, c'est pas la clutch mais voilà. Sûr, donc sûr. Ça c'est le petit truc. Okay. Le petit truc, ça c'est premièrement, deuxièmement j'en ai un deuxième petit point. En termes d'intelligence défensive, donc LeBron est hyper intéressant et tout. Oui, non mais attends, par contre... Non, hyper intéressant, c'est très intéressant LeBron. Oui, très intéressant, hyper intéressant et tout. Par contre, je le trouve un petit peu moins sur... Je sais pas comment dire, genre de temps en temps... Ça traîne un peu des pieds, oh tout là ça. Là. Là, un peu. Bah écoute, pour une fois que je sors des petites choses bien sur les bras, vas-y, profitez. Hein, attends, là, avec ça, je le mets 7ème. Devant, je le mets plus haut. Devant, j'ai des gars. Et dernier point, l'intelligence de jeu de LeBron est aussi dans certaines situations tellement mise en avant grâce à son physique incroyable, un peu comme pour Jordan. Ouais. C'est tellement plus facile de temps en temps de faire la bonne passe quand tu peux dribbler tout le monde et que de toute façon t'es tellement dangereux qu'il faut 3 joueurs pour te tenir, que du coup je trouve que la basketball IQ, pareil que pour Jordan en fait, c'est pas, il est hyper intelligent LeBron, mais il y a plein de trucs que je mettrais devant chez lui. Ok, voilà. Parfait. Donc bien je défendu. Le mets que 7. Bien défendu. Je t'ai mis John Stockton en 7ème, j'avais mis Nash. Par exemple, John Stockton. Bah écoute, si tu as mis beaucoup plus haut, allons-y. Beaucoup plus haut, non, non, pas du tout. Je t'ai mis Stockton parce que ordinateur. On avait parlé notamment avec Gary Payton en termes d'ordinateur. Tous les soirs, tu te ramènes, tu gères tous tes coéquipiers, t'emmènes Utah from bottom, tu les ramènes to the top. Avec Karl Malone que t'as réussi à rendre, parce que parlons-en, un jour on le fera le débat. Hein. Qui est le meilleur entre Stockton et Malone? Il n'y a pas de débat. Bref. Il n'y a pas de débat. Bref, dans tous les cas, Stockton, c'était juste parfait des deux côtés du terrain. Quand t'es le meilleur, l'intercepteur le plus prolifique de l'histoire, le passeur le plus prolifique de l'histoire. Voilà. Il y a un moment où il faut arrêter. On peut parler de longévité comme on veut. Et t'as loupé 13 matchs en 30 ans. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu compliqué. Le mec était là tout le temps et à s'ajuster. Demi-terrain, tout terrain, la régularité et ce côté un peu... C'est pas forcément le côté t'as un petit meneur, etc. Bah, tout, c'est pas ça. C'est juste cette espèce de régularité, quoi qu'il arrive. C'est vraiment une marque d'intelligence et de crâne. C'est sûr. Et quels que soient les coéquipiers qu'il a eu, parce que quand tu fais 20 ans à Utah, t'en as du monde. Hein. Et puis il y a un petit peu de vice. Il y a un peu de vice, et ne pas répondre. Putain, genre Payton le disait quoi, le mec il pouvait pas le trash talker. Tu pouvais pas trash talker Stockton. Parce que le mec va fermer sa gueule et après il va faire genre. Il joue. Excellent match. Ouais. Trop fort. Voilà, tout à fait. Mais je suis d'accord. Hein. Donc je l'ai mis 7ème, après s'il y en a qui veulent le mettre plus haut, allez-y, n'hésitez pas. On passe en 6. Ah, l'autre il va nous mettre n'importe quoi. Qui vous avez en 6? C'est vraiment un bon top 10 ça, les plus gros sabots. Par contre, attendez un petit peu par la suite parce qu'on va faire les mentions honorables et là il y a du monde. Hein. Ouais, voilà. Sachez-le, hein. Si cette vidéo dure 1h40, c'est normal. C'est parce qu'il y a des mentions honorables pendant 1h15. 6ème place, j'ai mis John Stockton. Ok, bon, ça va, tu l'as mis juste un spot de dessus. Voilà, c'est ça, c'est pour ça, je te disais. Bill Russell. Mais en fait, c'est pour le... la symbolique, et pour l'avoir je ne vais pas refaire ton argumentaire, je suis complètement d'accord. Je le mets devant LeBron, je le mets devant Jordan en termes de cerveau. John Stockton. Ok, voilà. Très bien. Eh bien écoute, Bill Russell, je l'ai pas mis. Je t'ai mis Bill Russell, tu as mis dans ton top 10? Non, je l'ai pas mis. Okay. Non. Le patron. Ouais, le patron qui est capable de se sacrifier pour comprendre que si c'est moi, qui installe les principes défensifs de base, de comprendre que contrer un shoot, être le premier à se dire, le premier de l'histoire à s'être dit, contrer un shoot de façon hyper violente ou contrer le shoot pour le donner à un coéquipier et créer une contre-attaque, c'est le premier. Oui, mais il me manque de l'IQ offensif là, pour le coup, pour le mettre dans le top 10. Mais je dis pas qu'il en avait pas, hein, mais il m'en manque. Attention, il m'en manque. Attention. Désolé, il m'en manque. Quand t'es capable de te sacrifier, de comprendre que tu vas être un peu moins... intelligent, c'est collectif. Je veux dire, Bill Russell il aurait pu faire une carrière avec beaucoup plus de points. On sait pas. Mais il l'a pas fait en tout cas. Bah en tout cas, il a compris. Ses coéquipiers le disaient aussi que, bien sûr, mais ses coéquipiers le disaient aussi que quand tu es capable de comprendre que tu vas juste être le côté défensif et capitaine pour gagner autant de titres, et pareil, hein, tous les ans, tu gagnes pas 8 années de suite. Non mais quand on refera leadership, on en reparlera, quand on fera le top 10 du leadership. Oui, bah voilà. Tu vois, mais c'est pas le même que Basketball IQ. C'est pas le même que Basketball IQ, mais je trouve que être capable justement de se ramener tous les ans en te disant... Ok, suivez-moi, on va respecter tel type de... Pour moi, c'est plus du leadership, il a un bon cerveau. Je comprends. Mais en IQ offensive, là, vraiment, je peux pas le mettre dans mon top 10. C'est le game 7 de 69, je crois, contre les Lakers, quand il y a les ballons au-dessus du plafond, là, qu'ils vont gagner à Los Angeles. Ouais, non, mais... Et c'est lui qui, en tant que joueur-coach... C'est du leadership. Joueur-coach. Oui, joueur-entraîneur. Joueur-entraîneur de Boston. Tu te ramènes et tu dis, on va faire du run and gun chez les Lakers, et on va gagner le game 7, et ils vont garder les ballons là-haut. Ouais. Non, mais c'est ouf. C'est-à-dire que tu prends les temps morts et tu fais... Alors les gars, bon, toi tu rentres en jeu et puis on va gagner le game 7. Un mec fait ça aujourd'hui, on serait sur le cul. Mais non, mais Bill Russell, c'est ouf. Moi je l'avais dans mes mentions honorables, mais je l'ai pas dans mon top. D'ailleurs, il y a quelques gars qui ont été joueurs coach. Hein. Pour le moment, on a fait quoi? Avec la réussite de Bill Russell, il n'y en a pas des masses. Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je te obligé de des vieux bûchères, mais apparemment il n'est pas dans tes 10. Non, il n'est pas dans mes 10. Il y en a 2-3 là, je pense, dans la suite des joueurs coach. Des joueurs qui sont devenus coach. Oui, devenus, mais pas en même temps, pas entraîneur-joueur. Non, bien sûr. Bah, ça... Mais des joueurs qui sont devenus coach, oui. On enchaîne et on rentre dans le top 5. Top 5, yes. Cool. On sent la pression qui monte. Magic. Duncan. D'accord. Ça te choque? Bah moi aussi, parce que Duncan l'a mis plus haut. Vas-y, commence, je t'en prie. Wow. Bah alors tu vois, Duncan par exemple, athlétiquement c'est un garçon sérieux, je pense qu'on l'a tous vu et tout, mais pas non plus dominant, mais pas non plus surdominant. Il a croisé, dans sa carrière, il a croisé des Shaquille O'Neal, il a croisé même Kevin Garnett. Pour moi, athlétiquement, je le mets tellement devant Duncan, enfin tu vois, tous les jours et tout ça. Et par contre... Duncan, en termes de cerveau, pour moi, chez les intérieurs, en fait, voilà, j'annonce, hein, j'ose pas, j'ai pas d'intérieur au-dessus de Duncan en termes de cerveau. C'est pour ça que je mets un peu plus haut. Voilà. Passing, tu parlais d'Hakeem Olajuwon en termes de placement défensif, voilà, je crois qu'on est tout en haut en termes de placement défensif. Le mec, même à 38 ans, genre limite, il était dans la course aux défenseurs de l'année. Hein, il est contre sans sauter juste parce qu'il est bien placé puis qu'il lève la main au bon moment sans faire faute, tout ça. Monsieur fondamentaux, genre c'est tout quoi. Voilà, monsieur fondamentaux, et il a les fondamentaux du cerveau quoi. Enfin, non mais il a tous les fondamentaux, c'est pas juste le tir avec la planche, c'est les fondamentaux de tout ce qui ressemble au basket. La bonne passe au bon moment. Ok. Voilà, Tim Duncan est dans mon top 5 des cerveaux all-time. Magic, ouais. Magic, tu as mis beaucoup plus haut, ça veut dire? Beaucoup, bah tu vois, après on est dans le top 5. Oui, hein, donc tu vas pas non plus... ok, je t'ai mis Magic en 5ème parce qu'il y a des moments de... Pareil, on t'en parlait avec LeBron, il y a des moments de... Bon, à la fois défensivement, mais il y a des moments de choc. En fait, j'aurais bien aimé savoir... Il y a plusieurs choses qui me changent avec moi, c'est pour ça que je l'ai pas mis tout en haut, en fait. Il y a plusieurs choses qui me dérangent avec Magic. Premièrement, il a essayé d'être coach, c'était teubé. Et c'était vraiment un massacre avec les Lakers. C'est dégueulasse. Quand il a été coach. Ouais. Et évidemment, on le sait tous, enfin du moins ceux qui font du basket, on en a fait un petit peu aussi, c'est pas la même chose d'être joueur et d'être un franchise player et d'être un coach. Non, non. Bah il y en a plein qui ont potentiellement essayé, il y en a qui ont cartonné, il y en a Jordan, pas qui ont par exemple, maintenant quand il a été président des Warriors ou là il est propriétaire d'Ernest, on peut pas dire que ça soit des réussites. Donc c'est pour ça que tu vois, je vais pas non plus dire que ce sont des gars qui sont du coup cons, puisque c'est pas du tout la même chose d'être coach et entraîneur. Mais c'est vrai que ça prouve une certaine globalité de contrôle du jeu. Il y a ça, il y a le côté un petit peu aussi, et je dois être probablement influencé de ce qu'il de la façon dont, pas seulement aujourd'hui, mais par le passé aussi, de la façon dont il s'exprimait, la façon dont il se présentait aussi, oh, ça me va, mais c'est simplement que du coup je trouvais que sur pas le... moins bien que Duncan. Non, non, bien évidemment, mais ce que je veux dire juste par là, c'est qu'il y a un côté... Je veux pas confondre l'intelligence sur le terrain et en dehors. C'est vraiment que chez Magic, il y avait des côtés des fois un peu choke qui moi me dérangeaient, et surtout j'ai pas pu voir en fait vraiment Magic sans quoi, sans Karim, sans autre. Je sais pas ce que ça aurait pu donner, tu vois. Si Magic était un peu moins avec du Hall of Famer dans tous les sens. Il a rendu certains gars Hall of Famer, donc c'est pour ça que je le mets dans mon top 5, parce que c'est un... Par contre, on peut en parler, tu parlais de Steve Nash en termes offensifs, certes il n'avait pas le shoot de Steve Nash, mais en termes de palette offensive, genre... le showtime quoi. Non mais le showtime où juste le showtime, tout faire. Il avait la technique mais il l'a mis avec son cerveau, hein. Le showtime, ça sort du cerveau de Magic quoi. Il pouvait jouer au poste, il pouvait jouer tous les postes, il pouvait... Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5, mais j'arrivais pas en fait à m'enlever de la tête cette histoire de coaching de merde. Non bien sûr, mais j'arrive pas à m'enlever cette histoire de Lakers coach où il était vraiment mais naze. J'étais halluciné, ça a un petit peu entaché l'image que je me faisais de Magic Johnson, qui reste quand même 5e meilleur cerveau all-time, ça va, hein. Ouais, ça va. Je l'ai pas mis 37e. Correct, correct l'autre. Allez, place numéro 4. Numéro 4. Attention, Alex va quitter l'apéro dans 3, 2, 1. Ça fait encore. Jason Kidd. Oh. Bon. Là, ça, c'est trop bas. Ah ouais? Ouais. Ça, c'est trop bas, vraiment. Ok. Bah, t'as mis LeBron en 7ème, donc ok. Nash? Vas-y, je t'en prie, défends ton. Je le mets là. Bon, t'en as très bien parlé. Hein. Moi, je pense que. Nash plus intelligent que Duncan sur le terrain? Ouais. Okay. Ouais, en fait, ce qui me fait mettre Nash aussi haut, hein, c'est que je trouve que Nash, oui mais regarde, grâce à son cerveau, il a exploité au maximum ou au quasi maximum son niveau de basketteur en fait. Ouais. Et jusqu'à assez vieux. Ouais. En fait, lors les finales de conf de 2010, Nash il a déjà bien 36-37 et il est encore le patron d'une équipe qui va en finale de conf. Il est quand même, ok il fait 1m90 mais sinon c'est quand même chétif, Nash, c'est pas puissant, bon il avait la vitesse. Et par exemple Nash, un truc qui pour moi est un grand signe d'intelligence, quand, je sais plus quelle année c'est, mais quand la règle du, tu sais, du hand-check sur les meneurs, enfin sur le porteur de balle, oui, quand la règle est arrivée, c'est-à-dire que tu ne pouvais plus faire d'antenne sur le porteur de balle, oui, t'as des joueurs comme par exemple, pour ne pas le citer, Allen Iverson, qui n'en a rien fait. Mmh. Alors que, putain, hein, Nash l'a bien utilisé. Bah, c'est pas qu'il l'a bien utilisé. C'est limite le symbole de cette... Il en a utilisé à 200%. Ah, c'est le gars, du jour au lendemain, il s'est mis à se balader dans les raquettes et du jour au lendemain, il est devenu injouable, en fait. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un grand signe d'intelligence, d'exploitation de règles, instantanément, naturellement. Non, bien sûr. Après, bon, bah, comme tu l'as très bien dit, l'autre, il a vraiment rendu des plots. T'as des plots en double-double, quoi. Ouais. Stoudemire, je ne considère pas que c'est un plot, mais il n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'il a fait sans Steve Nash. Mmh. Mais tu sais quoi, même Shawn Marion, même Joe Johnson, c'est tellement bien pour eux d'avoir connu Steve Nash dans des jeunes années, pour se mettre en route et tout. Et donc, ouais, non, Steve Nash, j'ai pas pu le rentrer sur mon podium pour un aspect que tu as défendu également, c'est que en termes d'IQ défensive, c'est pas qu'il a pas l'IQ, c'est qu'il faisait pas quoi. C'est qu'il faisait pas un peu l'effort. Donc c'est pas vraiment un manque d'IQ, c'est plutôt un manque de motive, mais du coup ça rentre dans l'histoire du cerveau global. Est-ce qu'on est aussi un petit peu influencé, je m'en rends compte aussi, est-ce qu'on est un peu influencé aussi par le palmarès? Il y a aussi un petit peu de ça, c'est que Nash, là tu te dis, bon, s'il y avait une bague de plus, peut-être qu'on aurait pu, voilà, mais il y avait des... Et tu sais quoi, il y a des séries qui sont un peu... Je serais très curieux de le voir sur un banc un jour, lui. Bah là, il est curieux. Là, il est assistant, genre loin chez les Warriors, mais il est assistant un peu à faire du soutien pour les snipers. Bon, ça va bien. Je pense qu'ils n'ont pas trop besoin de ça. Ouais, mais c'est pas mal, je pense. Mais Nash, oui, ça serait intéressant de voir en tant que coach, parce que lui, ça pourrait être un putain de coach, ouais, vraiment. 50, 40, 90, 4 fois. Ouais, 4 fois. Ouais. Bon, ça aurait pu être 6 fois de suite, mais bon, après voilà. Ça c'est de la technique. Mais ça, c'est pas que de la technique, c'est des bons choix aussi. Ah, bien sûr, c'est du bon choix. C'est voilà. Eh bien, écoute, je t'ai mis Jason Kidd en 4. Je sais que toi, ça te rend fou. Wow. Bon, de toute façon, on est plus surpris de rien maintenant. Ah, regarde-le. Tu sais, on dirait je l'ai mis 37ème. Je t'ai mis Jason Kidd en 4 parce que, en fait, j'aurais pu. Il était sur mon podium de base. Bon, spoiler pour Alex. Il était sur mon podium de base. Et en fait, les trois, j'arrivais pas, en fait, il est incroyable, mais j'arrive pas à le mettre au-dessus des trois qui sont au-dessus. Ouais, j'y arrive pas parce que c'est un savant, vraiment. Jason Kidd, c'est un savant du basket qui a été capable de, et ça va, je le mets 4ème en all-time, c'est pas non plus de la quiche lorraine, hein. Être capable de se dire, ok, t'es en début de carrière, tu n'arrives pas à shooter, il va falloir que tu bosses quoi, tu deviens le 3e shooter le plus prolifique à 3 points. Enfin, tu vois, il est top 5. Quand il s'est pris sa retraite, Quand il a pris sa retraite, il était 3e. Voilà, maintenant il est quoi, il est 5e. Il s'est fait dépasser par Dumondois, ouais, puis il va se faire dépasser encore. Il va se faire dépasser, mais bon, t'as quand même bien changé ton jeu. Défensivement, c'est de la bombe. En tant que coach, là, c'est à vérifier, mais c'est pas tout mal. C'est le début. C'est à vérifier. Faut pas oublier que ce mec-là est encore jeune. Bien sûr. Il a ce côté, en fait. Et puis là, dis donc, 2e meilleur intercepteur all-time, 2e passeur le plus prolifique all-time. Non, c'est pour ça. Des équipes de merde, il les a emmenés, genre. Tout à fait. En fait, il me manque juste un truc, et peut-être qu'en effet, c'est confondre un petit peu avec le côté leadership, parce que c'est compliqué. Tu peux te dire que c'est de l'intelligence de savoir se mettre en retrait et de justement devenir un petit peu un meneur. Capable de juste gérer ton équipe et faire en sorte que chacun soit bien dans ses spots. Exemple Dallas 2011. Ouais. Mais en même temps, les mecs que j'ai mis devant, ce sont tous à la fois des leaders, et donc il y a un signe d'intelligence dans la capacité. Enfin, Jason Kidd, l'Eness, il était leader ou j'ai rêvé? Tout à fait, mais donc il manque. Une équipe de merde. Tout à fait, mais donc il n'y a pas la bague en leader. Il me manque un petit peu ça. C'est juste un aspect qui ne peut pas forcément être lié à l'intelligence de jeu, parce qu'on va me dire, bah, Bastien, c'est pas forcément ne pas avoir de cerveau, de pas mener son équipe au titre. Non, je dis pas ça. Mais il me manque un peu ce côté. Quand Kidd était vraiment leader de son équipe, où est-ce qu'il était capable de... Oh, il les a rendus meilleurs. Non mais bien sûr, à partir du moment où t'emmènes Byron Scott en finale, t'es un des meilleurs cerveaux all-time. Martin, Kerry Kittles. C'est pour ça que je le mets 4e, mais les 3 qui sont devant, pour moi, c'est des mastodontes, c'est intouchable. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mon podium. Attendez un petit peu, parce que Alex va nous défendre. Tout à fait. De toute façon, sur les classements. À patienter, tu vas voir. C'est bien quand on n'est pas du tout d'accord. C'est mieux. C'est mieux, c'est plus marrant, quoi. Podium. Qu'est-ce qu'il a mis? Podium. Magic, ok. J'ai mis la version évoluée de Magic. je ne peux pas mettre... Alors moi, pour le coup, je dis pas blasphème, mais je peux pas mettre LeBron 7e. Je mets LeBron podium all-time. Défends Magic. Je m'occuperai de LeBron après. Ça m'arrange, tu fais ça. Moi, j'aurais pu mettre LeBron plus haut. Après, j'ai pas réussi à le mettre devant des gars comme Stockton et Duncan. Parce que... En fait... J'ai essayé, dans ce top 10, j'ai essayé de mettre... Pour moi, le basketball IQ, c'est quand même un truc qui te permet... C'est pas pour défendre le cas de Magic, c'est pour expliquer mon choix sur LeBron. C'est quelque chose qui te permet de outrepasser tes limites physiques. Et LeBron, pour moi, des limites physiques, il en a pas. Bien sûr, mais ça fait... Et donc, du coup, quelque part, ça a joué contre lui dans mon classement, dans mon classement là, du IQ. Oui. Là, ils sont en dessous, tu vois. Oui, bien sûr, mais bon... Enfin, Magic, ça, c'était pas une chaîne non plus athlétiquement. Magic, athlétiquement, c'est quand même pas LeBron. Ah, bien sûr. Hein, en termes de puissance, de vitesse. Non, je vois, t'as voulu plutôt mettre en avant des gars qui étaient pas très gâtés par. Moins gâtés. Oui, parce que Magic est quand même bien gâté. Magic, ce qui est quand même. Pourquoi je le mets sur mon podium? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, là, quand on parlait du jeu, le mec, je veux dire, il y a un truc qui s'appelle le Showtime, c'est un truc qui est sorti du cerveau de Magic Johnson. C'était lui, le Showtime. Après, il y a les gars autour, comme tu l'as très bien précisé. De toute façon, des gars qui font des grands trucs sans avoir des gros joueurs autour, il n'y en a pas pour le coup, même dans nos classements, il n'y en a pas. À part éventuellement Jason Kidd, et encore son titre, c'est dire que le franchise, enfin tu vois, genre voilà, Nash, il n'y a pas de titre. C'est peut-être parce que justement, il n'a pas eu des Hall of Famer autour, tu vois, on n'en sait rien en fait, mais voilà. Donc effectivement, Magic, l'entourage magnifique, mais par contre... Je sais pas, être rookie, être MVP des finales. Non, bien sûr, putain, et puis t'as juste été te dire, il faut que je joue pivot, bien sûr. Des triples-doubles, à plus quoi savoir en foot. Pour moi, le triple-double est quand même quelque chose qui montre ton activité, mais aussi ton intelligence de jeu. Savoir contribuer, savoir te placer au bon, bon, les passes d'ess pour Magic, voilà, machin, tout ça. Parce que disclaimer, il y en a qui vont dire Westbrook, il start de 12 ans. Westbrook, c'est un joueur intelligent. Il rentre pas dans le top 10 parce qu'il faut pas non plus déconner. Mais en basketball IQ, Westbrook, il est très sérieux, très sérieux. Et donc Magic, oui, tu mets podium. Je le mets podium parce qu'il a influencé énormément de gens, notamment par son style de jeu, et son style de jeu est issu de son QI basket. Oui. Ce qui est très fort avec Magic, là où je peux te donner un argument bonus en plus, c'est qu'il commence sa carrière en disant ok, Karim est le patron. Il commence arrière. Et il commence, voilà, et il commence vraiment en distribution, et quand en 86-7, Pat Riley dit gros, l'autre il a 38 ans, il faut que tu take over. La saison de Magic en 87, il fait maintenant je vais devenir scoreur. Et ça, c'est un signe d'adaptation qui est fou. Enfin, non, c'est clair. Et puis... Cette façon qu'il a eue aussi, intelligente, mine de rien, malgré son ego archi surdimensionné pour le coup Magic, d'adouber Jordan, de devenir ami avec un certain Larry Bird, qu'on va peut-être citer à un moment donné, enfin voilà, ce genre de choses. Non mais tu vois, genre ça c'est des trucs que j'aime bien chez Magic. Très bien. Voilà. Je peux comprendre. Je t'ai mis LeBron podium. Pourquoi? J'ai tellement de raisons qu'on pourrait encore durer pendant quelques temps. Mais on va essayer de faire vite. Hein, mon Léon. LeBron, pourquoi je mets podium? Je te pose quelques questions. Joueur capable de jouer les 5 postes. Comme Magic. Genre le plus polyvalent de l'histoire. Peut-être. Faudra qu'on fasse le totem. C'est qui le meilleur coach de LeBron en carrière? Eric Spoelstra quand même. Oh, 2 bagues. Oui. Oh. Tout à fait. Ah, ouais. Non mais c'est oui, tout à fait, mais c'est Eric Spoelstra. Ouais, bah c'est bien déjà. Il a eu Eric Spoelstra pendant 4 ans. Et il a eu 2 bagues. Tout à fait. Ça aide. Tout à fait. Sinon, il a eu Tyronn Lue. Ah oui, non, non, mais carrément. Il a eu Mike Brown. Dans le genre. Attends, attends, attends. Le mec est joueur coach oui. depuis 3 ans en fait. Mais, y a un... mais je suis d'accord, mais j'en reviens à mon truc. Tu ne... On peut pas nier que son impact physique sur le jeu est presque même plus important pour moi que son impact IQ. Je peux comprendre. Mais après... Tous les arguments que j'ai en faveur de l'intelligence, c'est que déjà, il a un problème. Il a un problème. En plus, c'est vraiment, pour le coup, c'est un problème. C'est genre, c'est démontré par ses adversaires et ses anciens coéquipiers. LeBron se souvient de séquences qu'il met, des systèmes qu'il met en place en 2004. Il le rappelle 10 ans après. Il a un problème de mémoire, je sais pas, il a une mémoire endémique ou je sais pas quoi. Édiétique. Il a une mémoire... Eidétique. Eidétique. Ouais. Il a un truc qui fait que voilà, LeBron. Je sais pas s'il a ça, mais c'est ça le terme. C'est ce que j'avais vu notamment récemment, c'est que LeBron a cette capacité à pouvoir se souvenir de n'importe quel play en fait. Il peut s'ajuster à n'importe quel système de jeu. Pour Jason Kidd. Hein? Jason Kidd, il y a les mêmes histoires sur lui, mais bon, ok, d'accord. Et ben LeBron a ça pour le coup, et c'est à la fois le côté, il a réussi à rendre Gérard pro. Enfin, en tant ça, que c'est du leadership. Non mais il y a du leadership, mais il y a aussi le fait d'aller voir ce gars et de dire mélanger tout ça. Hein. Non mais il faut être intelligent. De toute façon, des grands leaders qui sont pas intelligents, il y en a pas. Enfin, je crois pas qu'il y en ait tellement en fait. Quand tu es, quand tu retournes à Cleveland et que tu vois sur la table, est-ce qu'on prend Iman Shumpert et Gérard Smith? Il faut être capable de se dire, ok, je vais le prendre, on va le prendre et on va essayer de le mettre bien. Le GM de Cleveland. Bah, ouais. C'est bon, on se fout de la gueule à chaque fois pour savoir c'est qui le coach joueur. C'est LeBron qui est coach de Cleveland et il fait des finales consécutives. Quand tu fais toutes ces finales consécutives, quand défensivement et offensivement, je suis d'accord sur ce que tu disais tout à l'heure. Dans le clutch, il peut y avoir des situations où tu te dis, il faut que tu pénètres, t'es le mec le plus puissant physiquement que tu puisses. Mais tout le monde fait des erreurs et le nombre d'erreurs que fait LeBron en carrière, c'est genre bon, c'est un petit peu limité. J'arrive pas à l'enlever parce que, en plus, tu le mentionnais là tout à l'heure, il y a le côté physique et athlétique de LeBron qui domine, mais c'est même pas le truc que je mettrais en 1. Pour moi, genre, tu le dis à chaque fois, on le scande, LeBron, il va être quoi? Il va être top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire? Ah ben bien sûr, mais... Défensivement, il peut jouer les 5 postes. Offensivement, il peut jouer les 5 postes parce qu'il peut jouer au poste en tant qu'intérieur. Il peut shooter à 3. Il s'est adapté. Il a fait, tu sais quoi, je vais shooter un peu mieux, donc on va prendre Kyle Korver. Hein, pour avoir des petits cours particuliers, que des petites choses comme ça en fait. J'arrive pas à voir. C'est un joueur intelligent de toute façon. Je l'ai mis dans mon top 10. J'arrive pas en fait à voir. J'arrive pas à voir en fait un joueur qui est plus capable là dans le passé récent d'être coach joueur. Que genre potentiellement il pourrait être très 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 haut dans un éventuel. Ouais bien sûr. Ça, quoi. Bien sûr. Après il lui manque 2-3 choses pour être GOAT. On en reparlera le moment. On en fera. Voilà pourquoi j'ai mis 3e. Allez, on passe en place numéro 2. Allez, place numéro 2. La maison. Tim Duncan, numéro 2. Larry Legend. Très bien. Ah, du coup, le 1, je sais. On connaît les 1. Ah, je te le fais rapidos pour Duncan. En fait, je suis pas très objectif, malheureusement, parce que voilà, Spurs et tout, mais en fait, il a fait quoi comme erreur de décision Duncan? Il y a des remises en jeu. Il rate un layup. Il y a des remises en jeu. Il rate un layup clutch. C'est quelle série ça? Contre Miami. Il déconne là. Et il déconne tellement que du coup. Genre à part ça, c'est quoi? Enfin, il y a des remises en jeu peut-être, vite fait. Il y a des remises en jeu, mais sinon Duncan, en termes de je rends mes coéquipiers meilleurs, je me mets en avant, mais je peux aussi me mettre en retrait. Tony est le premier à dire que le mec qui a réussi aussi à faire sa carrière et faire en sorte que la fondation des Spurs soit là, c'est Tim Duncan. Il a été capable de s'ajuster à la fois en tant que franchise player dès ses débuts et ensuite devenir une espèce de protecteur défensif. Défensivement, c'est incroyable. Je sais même pas, tu l'as dit tout à l'heure, défensivement, s'il y a mieux en termes d'intelligence de jeu. De rotation et de placement, je ne pense pas. Je pense pas. Tous les fondamentaux. Donc ça, c'est de l'intelligence de jeu aussi. Et dans tout, en fait, dans les médias, j'arrive pas à être objectif parce que c'est mon joueur préféré de tous les temps, en fait. Donc c'est pour ça aussi. C'est que moi, tu vois, c'est très personnel. Mais moi, il m'a même appris, comment aborder certains matchs de basket, tu vois. C'est-à-dire savoir comment prendre le temps de prendre les coéquipiers, de donner l'exemple, soit par certaines petites phrases, mais des fois juste par tes actes, et de savoir justement quand placer les bons mots. C'est du leadership, tu le mentionnais tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a ce côté très, très sage, très vénérable. Non, mais avec lui. Bon, ça va, il est 2e. De toute façon, tu l'avais mis combien? Je l'ai mis 5, moi. Vas-y, tu nous as mis Larry? Larry, parce qu'à un moment donné, dominer autant avec aussi peu de physique, ok, il était grand, hein. 2m05, 6, Larry, un truc comme ça. Ouais, ouais. Mais dominer autant avec aussi peu de physique, faut en parler à un moment donné. Faut en parler à un moment donné. Alors, oui, il dominait parce que mental, complètement incroyable en termes de compétiteur, trash talking, hein, je crois qu'on a fait un petit top 10 là-dessus, je crois qu'on en a parlé. Ouais. Technique absolument incroyable, en même temps extrêmement peu orthodoxe et en même temps extrêmement efficace. Donc c'est quand même assez rare d'avoir cette combinaison. Il y a Manu Ginobili qui a une combinaison un peu comme ça. Jason Kidd parfois aussi fait des gestes complètement peu orthodoxes mais d'une efficacité. Genre t'es là, tu fais enculé, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois, voilà. Mais oui, non, Larry Bird, même quand il revient vers la fin des années 90 après sa blessure au dos et qu'il se remet à jouer, l'autre il est toujours en 25 points, et il a toujours 10 rebonds et il y a toujours 6 passes d'ess, quoi. Voilà. Donc voilà, le truc, pourquoi je l'ai pas mis 1 ? Eh oui, non, mais attends, ouais, parce que je vais reprendre un de tes petits arguments. C'est que par contre, du Hall of Famer, il y en avait autour. On pouvait le cacher en défense. Oui. Donc, c'est un avantage. Il savait s'en servir et il a eu des putains de coachs. Oui. Donc, quand même. Oui, bien sûr. Un entourage, les Celtics, une. Donc, ça aide. Et donc, il a été dans un environnement absolument fabuleux dans lequel il a pu exprimer pleinement son. Son intelligence basketballistique, si on peut dire ainsi. Mais oui, non, Larry Bird, oui, c'est un des joueurs les plus intelligents de l'histoire, clairement, quoi. Voilà. Numéro 1. Voilà, voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu le deviner, certains qui sont assez rapides au niveau du crâne. Alex nous a mis un enfant, j'ai mis un oiseau. Ouais, c'est ça, exactement. N'est-ce pas? Larry l'oiseau, Jason l'enfant. Jason Kidd, pour moi... Pour moi, Jason Kidd, c'est le meilleur cerveau qui a jamais foulé un parquet NBA. Okay. Pour moi. Hein. Après, je sais que plein de gens vont pas être du tout d'accord. Les gens vouloir mettre LeBron en 1, d'autres vont vouloir mettre Duncan en 1, Larry Bird en 1, Magic Johnson, tout à fait. Magic Johnson, même Steve Nash, à la limite, ça se défend bien. En fait. On arrive avec les mentions. Mais Jason Kidd, putain. Dans le genre, je rends mes coéquipiers meilleurs quand même, putain. Trop fort l'autre. L'autre, il a quand même... Alors, ok, Stockton est intouchable en termes de passes, il en a 12 000 et quelques. Il a tout le temps, quels que soient les coéquipiers, pendant 19 saisons, quels que soient les coéquipiers, il y avait de la passe d'ess. Comme tu le disais, bon, il y a l'épisode Mavs où il sait se mettre en trait, mais l'autre, il est encore titulaire à... Quel âge il a? C'est pareil, ça, hein, Jason Kidd, quand il est champion NBA en 2011, là, il a bien 36 déjà, là. Oui, hein, ouais. Voire on même, est en fin de carrière, même 38, plus 38, même. Parce que tu arrives en fin de carrière et tu es tout de suite coach. Phase de jeu, il se retrouve à défendre des fois sur LeBron. Ouais. Et il le fait en fait. Et puis comme tu l'as dit, donc faire progresser son shoot tout de suite, et ensuite il y a cette espèce de mélange d'instinct et d'intelligence qui fait que Jason Kidd, c'est un mec, il a à la passe, moi je trouve qu'à la passe c'est le mec le plus incroyable, quoi. C'est le plus intelligent, genre, je sais pas, des détails, après chercher les vidéos c'est peut-être pas facile à trouver, mais j'ai souvenir de ce ballon qui file en touche avec les Mavs où il le sauve de la main gauche, il le passe dans sa main droite et c'est une espèce de passe laser au milieu. C'est Shawn Marion qui est tout seul dessous, je sais pas qui pointait en fait les systèmes, c'est-à-dire que tu peux voir des vidéos, si vous pointez un petit peu, où il y a Kid qui dit vraiment, où tu t'es pas obligé d'être à côté de son oreille, mais tu vois qu'il va dire Shawn Marion, bouge, il y a Dirk à l'opposé, donne la balle, il y a ficelle. Il y a ça, Kidd, il pointe les systèmes. Ensuite, la moindre mismatch, bon bah là, le gars est servi, mais dans la seconde... Non, c'est clair. T'as peu de surprises en fait avec Kidd. C'est un mec qui joue en avance, Jason Kidd. C'est Shawn Marion qui expliquait ça dans une interview, il disait, quand tu joues avec Jason Kidd, genre c'est pas comme avec tous les autres meneurs. Non, faut être prêt tout le temps. Il faut être prêt avant d'être prêt d'habitude. Ouais. C'est-à-dire que si, tu vois, la balle arrive plus vite en fait. Tout va plus vite avec Jason Kidd, quoi. C'est un truc de fou. L'utilisation de la planche en les allez. Bon, bah là, ouais, voilà. Ouais. Non, ce genre de choses aussi, voilà, l'utilisation de la planche, la créativité. Enfin, non, non. Ouais. Cette espèce de mélange de vice en plus, parce que quand il est devenu coach, le coup du Coca-Cola sur le parquet pour avoir un temps mort. Non, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, de rentrer dans Mike Woodson pour essayer d'avoir un temps mort, de gratter. Non, genre c'est un vicieux en plus, c'est tout. C'est un savant. C'est vraiment un savant du basket. C'est vraiment un cerveau incroyable en termes basketballistiques, donc je l'ai mis numéro 1. Maintenant, ces top 10 là, hein, ça se discute. Bon, je sais que toi. Voilà. Question MVP, MVP des finales, coach de l'année, exécutif de l'année. Ah non, mais clairement. Quel que soit le poste qui occupait Larry Bird, donc soit je suis au bureau et je recrute les bons joueurs pour emmener les Pacers en finale de conférence, soit je suis coach des Pacers et je les emmène, Reggie et toute la compagnie là, en finale face aux Lakers, soit je suis joueur et du coup je domine le game, le meilleur joueur de l'histoire sans qualité athlétique. de tous les joueurs. Toi, je l'ai mis en deux. Bien sûr, c'est pour ça. Mais quand je te regarde, c'est que tu vois, je regarde en même temps les gens. C'est juste que cette espèce de, moi, il m'hallucine ce quatuor de MVP de saison régulière, MVP des finales, coach of the year, exécutif. Je sais pas qui serait. C'est pour ça qu'en fait, je mets LeBron aussi haut parce que je pense que c'est un gars qui serait capable de faire ça. Et je sais pas pour Jason Kidd s'il pourrait être exécutif. Non, je pense que c'est un très bon coach. Coach of the year, dans sa carrière, il le rappelle. Tout à fait. Et j'aimerais parce que c'est un putain de cerveau. Il est pas passé loin il y a 2 ans. Tout à fait. Voilà, mais il pourrait parce que complètement, il pourrait. Jason Kidd a une bonne gueule de coach of the year. Mais il y a le côté, Larry Bird, t'es resté 30 ans NBA et quel que soit le poste que t'as eu, t'as dominé en fait. Main droite, main gauche, t'as tout bossé. Le côté, en effet, trash talking qui fait que t'as un côté domination mentale, intelligence sur ton adversaire qui est au-dessus. Les limitations défensives, on les connaît. Mais il n'était pas non plus capable... Il y a eu des matchs en fait parfaits de Larry Bird où, sans avoir cette espèce de domination défensive, il allait venir en aide, il allait faire les aides qu'il fallait, il allait faire 2-3 petites interceptions comme il fallait. Et du coup, bah, tu disais, mais le mec, en fait, il a tout le temps un temps d'avance. Il a tout le temps un temps d'avance. J'ai trouvé ça... J'arrive pas en fait à l'enlever de cette place. C'est tout de suite le mec que j'ai mis en numéro 1. Ouais, toi, t'as mis qui tout de suite? Qui vous avez mis, vous, tout de suite dans votre top 10? Ça, c'est la grosse question qu'on peut se poser maintenant, parce que maintenant qu'on l'a fait, on va pouvoir faire les mentions. Alors, on va les faire à balle, parce que là, ça fait 67 minutes. On fait en rafale? En rafale. Allez, balance. T'en as une ou deux? Ouais. N'hésitez pas à les balancer hein, pendant ce temps-là, puisqu'on le rappelle, juste Alex a mis Jason Kidd en 1, et moi, Larry Bird. André Miller. André Miller, tout franchement. Tout à fait. Basketball IQ de malade. Boris Dio. Oui, oui, oui. Boris, allons-y. Hein. Chris Paul. Chris Paul, tout à fait, j'ai failli le mettre. Moi, j'étais pas loin non plus de le mettre, mais Chris Paul, ça se cite, hein. Sabonis. Oui. Bill Walton. Shane Battier. Shane Battier, c'est pas un Hall of Famer, mais putain, en termes d'intelligence de jeu. Rajon Rondo. Kevin McHale. Oh, de ouf. Bob Pettit, Richie Guérin. Bill Laimbeer. Ah, Bill Laimbeer. Alors, moi, il a gratté mon top 10. Ouais, et alors, il y a Bill Laimbeer et Dennis Rodman. Ils sont trop intelligents. Genre, Dennis Rodman, on gratte le top 10. Hein. Ouais, les mecs, ils ont des réputations comme ça, mais en fait, quand tu les regardes jouer, tu fais putain, mais. Et c'est là notamment qu'on rentre dans un volet où on en parlait en off, dans les mentions honorables, c'est il y a des joueurs qu'on peut trouver exécrables, mais par contre ils ont un QI basket, genre, on en parlait juste avant, où est-ce que tu vas bientôt foutre Draymond Green? Parce que le mec il peut prendre des décisions à la con, mais en termes de QI de basket, le mec, très sérieux. Où est-ce qu'on va foutre Steph Curry? C'est tout faire, Steph Curry. Où est-ce qu'on va foutre? Il y a plein de gars comme ça où tu te dis genre bon les mecs ils réfléchissent trop quoi. J'en ai un petit peu. Mais même tu vois genre si tu veux aller par là après la carrière est pas du tout finie mais franchement Kawhi Leonard. Tout à fait. Paul Pierce. Le basket de Kawhi, Paul Pierce grave. Kobe hein. Kobe ça se cite grave hein. Sean C. Billups, Bob Cousy. Dwyane Wade ça se cite hein. On sous-estime vachement le QI basket de Dwyane Wade. C'est clair. Et puis sinon il y en a plein. Jerry West Jerry West, Lenny Wilkins joueur coach. Jerry West il a bien gratté mon top 10 aussi. Hein. Lenny Wilkins joueur coach aussi qui avait gratté quand même les 1000 victoires en carrière en tant que coach. Triple Hall of Famer. Voilà voilà. Ça va. Non il y a quelques petites mentions honorables comme ça. Je sais pas si t'en as noté d'autres. Chris Mullin. Chris Mullin, tout à fait. Tous ces mecs là, Chris Mullin, Reggie Miller, Ray Allen, les mecs qui se déplacent sans ballon, il faudra qu'on le fasse à le sans ballon. Même KG, hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. KG, quand t'es aussi bon, même du terrain à la passe et dire et tout. C'est ça en fait, surtout le message de fin, c'est que tu ne peux pas être en NBA. Tu peux être en NBA en étant un teubé, mais tu peux pas être en NBA sans avoir une approche du jeu, une connaissance qui est suffisamment intelligente. Et tu peux pas faire une vraie bonne carrière, sans avoir un minimum de QI basket. C'est compliqué. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais c'est quand même compliqué. Hein. On sait que dans les commentaires, ça va se défouler sur les mecs qui n'avaient pas de QI basket et qui ont réussi une carrière. Ouais, bah, peut-être, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu du bœuf, mais il n'y a pas eu non plus des gars qui étaient capables d'être multiple stars sans avoir un... Charles Barkley, c'est un bœuf. Charles Barkley, c'est un mec super intelligent sur le parquet, vraiment. Non, voilà, mais où est-ce que tu fous DeAndre Jordan, par exemple, là, actuellement? C'est pas non plus une carrière de ouf. Non, voilà, tu peux pas, mais bon, le mec va être olympien, all-star. Ouais, d'accord, mais bon. Il y en a plein des carrières comme celle de DeAndre. Faut pas exagérer. Tout à fait. Mais c'est juste que du coup, il y a plein de joueurs intelligents NBA. Attention, ne dites pas, vous avez oublié machin et tout. Il y a trop de joueurs. On pourrait faire toutes les équipes. Même actuellement, il y en aurait plein, tu vois. Mais on est obligé d'en garder que certains. On a pris le pépite, le mieux du mieux. Voilà. Pour les cerveaux. C'était un bon steak. Ouais, c'était bien. C'était de la bombe de balle. Donc bien évidemment, vous connaissez la petite formule. Nous, je crois qu'on se donne rendez-vous lundi prochain pour le prochain Total Notem. Ouais, grave. Indice ? Non. Ok. À la prochaine. Ciao.